Ok. Bon, Isabelle Constant, voilà, je te présente, tu es psychothérapeute. On a l'intention de parler de plusieurs sujets ensemble, dont un que t'as envie, dont tu as envie de parler aujourd'hui. Tu es en énergie pour parler de ce sujet que tu rencontres avec certains de tes clients plus exactement, à savoir quelque chose dans l'ordre, je viens d'aborder la trentaine, je suis mariée, j'ai envie d'avoir un enfant et mon mec, il n'a pas envie. Alors, que dit le psychothérapeute dans une telle situation? D'abord, généralement, c'est plutôt des femmes qui ont entre 30 et 35 ans. C'est-à-dire qu'en plus, elles se disent j'ai pas, je veux des enfants et j'ai pas 10 ans devant moi. Et moi, la première chose que je leur dis, c'est d'accord, vous êtes en couple, qui assume la contraception? Et 9 fois sur 10, elles me répondent bah, c'est moi et je prends la pilule. Et ça, c'est vraiment la première chose que je leur dis. C'est que ce n'est pas cohérent que ce soit elles qui assument le non-désir d'enfant. Et que, voilà, ce qui est approprié, c'est de dire à son mec, voilà, je vais arrêter de prendre la pilule, tu veux pas d'enfant, ok, donc tu gères. C'est-à-dire, tu mets un préservatif, tu te retires avant. Et du coup, ça fait que ce problème de est-ce que je fais un enfant ou est-ce que j'en fais pas, c'est pas elles qui l'ont en charge, puisque elles ont le désir. Du coup, c'est l'homme qui est confronté à son ambivalence, parce que généralement, il veut bien un enfant dans l'absolu, mais il n'en veut pas maintenant. Et du coup, c'est lui qui a acté ça. C'est-à-dire que c'est lui qui a assumé de mettre un préservatif. Et ça permet de déterminer où vraiment il ne veut pas d'enfant. Et à ce moment-là, il va arrêter de faire l'amour avec la femme, il va mettre un préservatif tout le temps. Ou, eh ben, il va l'oublier. Et puis, ça sera sa responsabilité. C'est-à-dire que du coup, c'est lui qui va être en charge du problème. Et la nana, elle va vivre la situation de façon beaucoup plus sereine et beaucoup plus tranquille parce qu'elle sera en cohérence. Parce que c'est pas cohérent de vouloir un enfant et de prendre des hormones tous les jours. Et du coup, ça évite que elle, tous les jours, elle y pense. Et ça, c'est vraiment voilà, c'est assez basique, mais c'est vraiment la première chose que je leur dis.